Bonjour et bienvenue dans ce nouveau test du chasseur français. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous présenter un moulinet de la marque Shimano et le modèle c'est Katana. Alors c'est un taille 2005, il existe également en taille 4000, donc beaucoup plus gros, et en taille 1000 pour pêcher la truite, ça doit être assez intéressant. Moi ce qui m'a plu tout de suite c'est la couleur, je pense qu'on le voit bien, il est rouge, alors on aime ou on n'aime pas. En tout cas ça change du gris et du noir qu'on voit traditionnellement sur nos moulinets. Donc moi c'est ce qui m'a tout de suite emballé, en plus du rapport qualité-prix, mais ça on en parlera après. Je l'ai monté sur une canne Nassi qui elle est bleue, donc c'est vrai que ça fait un ensemble assez coloré. Je vous recommande plutôt de le monter, il y a une canne qui s'appelle Katana également chez Shimano qui est rouge, bon ça fera un ensemble un petit peu plus cohérent. En tout cas moi il m'a vraiment intéressé, le look est tout de suite sympathique, il est assez jeune, assez fun, sans pour autant faire gadget, c'est un rouge très sombre. Et qui permet de sortir un petit peu du lot. Je vous invite à le découvrir avec moi à la pêche. Un peu. Bon, je vous disais, il est très fluide. Ce qui est également très appréciable, c'est que la tresse est très très bien enroulée. J'espère qu'on le verra sur la vidéo. La tresse est très bien enroulée. Et on a des distances de lancer qui sont très bonnes parce que la lèvre de la bobine qui est ici est profilée de façon à améliorer la sortie de la tresse, du fil, et ainsi à gagner en distance de lancer. Donc c'est très appréciable. Changer de leurre parce que là je pêche un petit peu trop profond, je ramasse pas mal d'herbe et j'étais en train de tester les nouveaux Rapala avec la nouvelle bavette et les scatter wrap qui permettent d'avoir une nage beaucoup plus aléatoire et moins uniforme que sur les anciens modèles avec une bavette traditionnelle. Voilà. Bon, après est-ce que le poisson fait la différence, je viens de les recevoir donc je vous le dirai bientôt.